Moi, j'ai une question à Emmanuel Charpentier sur. C'est un peu une question sur l'écologie. En fait, là, cette sorte de mémoire immunologique qui est contenue dans le CRISPR array, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser pour regarder l'histoire des traits de vie des populations de bactéries, par exemple? Je pense au projet Tara Ocean qui a généré tout un tas de données de métagénomique à la fois pour les procaryotes et à la fois pour le virome. Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'exploiter ces données-là pour comprendre mieux comment les bactéries interagissent avec les virus, par exemple? Oui, bien sûr, mais c'est déjà fait. Enfin, c'est ce que les gens font. En principe, CRISPR, au départ, a eu une fonctionnalité de typage d'espèces bactériennes. Toutes les souches bactériennes n'ont pas le CRISPR-Cas système, uniquement 50 ou 60% des bactéries. Mais c'était aussi une façon d'apporter une couche supérieure pour le typage de souches bactériennes, puisque certaines souches bactériennes peuvent avoir acquis le système à un moment ou à un autre. Mais il y a beaucoup de métagénomique data, surtout microbiota, qui détectent en effet les séquences CRISPR. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les séquences mémorisées, donc les séquences spacers, souvent ne ressemblent à rien du tout, puisque probablement les phages correspondants n'ont pas été séquencés. Mais ça donne en fait quand même une idée de la population virale, du coup, enfin, ou la population d'éléments génétiques mobiles. En règle générale, les spacers correspondent à des séquences de phages, aussi plasmides et un peu moins transposons. Mais en effet, on peut avoir une idée de la population virale et comme vous le savez, souvent c'est pas forcément évident de détecter les virus. Donc ça donne aussi une idée de probablement des virus nouveaux, etc., qui n'ont pas encore été identifiés. Merci. Autre question. Je me demandais, à propos de CRISPR aussi, est-ce qu'il y a un mécanisme de scan du génome viral et du génome bactérien? Du génome viral, parce que si on choisit d'intégrer une région qui est très polymorphe, finalement, on va se prémunir contre peu de souches du virus. Et le génome bactérien, parce que si on internalise une région qui est présente dans le chromosome bactérien, en théorie, on va couper le chromosome bactérien. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui scanne ces deux génomes qui viennent en contact? Oui, alors les deux génomes qui viennent en contact, non, parce que les deux génomes ne viendraient pas forcément en contact, mais par contre, l'ARN guide va venir en contact avec l'ADN phagique quand l'ADN phagique rentre dans la cellule, et là, il va scanner l'ADN phagique pour trouver la bonne séquence. Par contre, en l'occurrence, en principe, oui, le système va faire exactement la même chose sur le génome bactérien. Et en l'occurrence, le système pourrait reconnaître soi-même. Ce qui fait la différence, c'est la séquence PAM. Donc la séquence PAM, elle permet de définir le soi-même du non-soi-même, le self du non-self. C'est-à-dire que la séquence PAM, donc le NGG, va être présent en aval de la séquence sur le phage qui est reconnue par l'ARN, alors que ce PAM dans le CRISPR array est remplacé par la répétition. Et donc le système ne peut pas reconnaître la séquence phagique lorsque la séquence phagique est insérée dans le CRISPR array, puisque la PAM n'existe plus, elle est remplacée par la répétition. Donc c'est un peu une reconnaissance, c'est une distinction entre le soi et le non-soi. Bien que ce soit intéressant, parce que ça pose la question de ce que c'est que le soi et le non-soi, puisque l'ARN guide, c'est devenu du soi. En l'occurrence. Imagine. Mais lors de la première infection, est-ce qu'il y a un choix de la région qui va être utilisé? Non, c'est très bias. Au niveau de l'insertion, c'est-à-dire quand l'ADN est reconnu pour la première fois. Non, les études ont montré, enfin, des expériences qui ont été faites et qui ont montré que ça peut être n'importe quelle séquence du phage. Donc, il n'y a pas dans un phage, par exemple, il n'y a pas de séquences privilégiées qui seront coupé et intégré dans le CRISPR array. C'est assez aléatoire. Yves. Si cette question est trop naïve, veuillez m'excuser.
On a, nous autres, des modèles de mémoire, d'apprentissage, et qui sont à peu près les mêmes depuis 50 ans, qui sont fondés sur une vision cellulaire de la mémoire, Hebb, avec des circuits de neurones, etc. Le grand problème qui reste toujours en suspens, c'est du stockage mnésique. Si vous apprenez quelque chose, comment ça reste fixé? Alors, il y a eu les vieux travaux de Hiday, etc., avec les peptides de la mémoire, etc. Bon, tout ça est dépassé. Est-ce que ce que vous avez exposé, l'un et l'autre, par hasard, ne permettrait pas d'évoquer un stockage biochimique de quelque chose qui est extérieur dans une cellule, qu'on puisse aller retrouver après, puisque le problème du rappel est aussi un grand problème? Et, ou est-ce que c'est complètement naïf? Non, c'est un stockage de séquences d'ADN, en l'occurrence, en ce qui concerne CRISPR-Cas. On peut dire stockage moléculaire, parce que l'ADN, c'est une molécule. Donc, c'est un stockage de mémoire d'entités organismes, parce que c'est une séquence d'ADN qui correspond à un organisme comme le phage, par exemple, qui est en soi une entité est reconnu comme micro-organisme. Enfin, ça dépend de la définition des gens, mais pour moi, c'est un... Et donc, en fait, c'est aussi... C'est une reconnaissance plus de séquences d'ADN, mais en l'occurrence, c'est pas vraiment une mémoire cellulaire, mais c'est une mémoire phagique. Enfin, c'est... Si vous voulez ce que je veux dire. C'est un souvenir. Voilà, c'est ça. Imaginez un mot que vous ne connaissez pas. Je vous le donne. Vous l'imprimez. On pourrait imaginer que ce mot qui suit des circuits neuronaux divers aboutit à la production d'une molécule quelconque qui est ignorée, qui est propre à ce mot peut-être, par des combinaisons différentes. Mais comment elle est stockée? Alors elle peut être stockée, il y a des théories prion-like par exemple sur des protéines, mais je me disais que peut-être sur l'ADN, le système que vous avez évoqué, si je peux comprendre un peu, permettrait peut-être d'imaginer un stockage comme ça, de cette nature. Oui, d'ailleurs, en fait, le réflexe des biologistes a été de regarder sur le génome humain et d'autres génomes eucaryotes, de voir s'il n'y avait pas des systèmes CRISPR-Cas équivalents avec des séquences mémorisées. Alors, peut-être que ça existe, parce qu'en fait, en discutant avec les chercheurs qui séquencent l'ADN humain, ils disent tous qu'il y a des régions avec des répétitions qui sont très difficiles à séquencer. Et donc peut-être que ça existe. En tout cas, des gènes qui seraient organisés en opérons comme le Cas opéron et qui codent comme ça pour une série de protéines avec des capacités d'interagir avec l'ADN, l'ARN ou cliver l'ADN à l'ARN, comme ça une série de gènes, ça un opéron homologue dans le génome humain n'existe pas, mais une sorte de mémorisation, peut-être que ça existe, si c'est une mémorisation avec un système d'intégration, avec duplication de répétition, étant donné qu'il y a des... Enfin, je ne sais pas si les gens sont experts du séquençage du génome humain, mais il y a visiblement des régions qui sont très difficiles à séquencer, qui ont des répétitions, donc peut-être que ça existe aussi. Didier Boichard. Une autre question naïve de quelqu'un qui n'est pas microbiologiste du tout. Pour qu'il y ait mémoire, il faut que la bactérie qui est infectée survive. Oui. Et je pensais qu'elle avait quasiment aucune chance, quoi. Et donc, quel est le taux de survie des bactéries qui sont infectées par des virus? Il y a une chose qui est claire, c'est que l'efficacité d'interférence, c'est-à-dire quand le système est dans la bactérie et le système doit reconnaître le phage au cours d'une deuxième infection et l'attaquer, le cibler et le cliver, ça c'est très efficace. Par contre, la mémorisation de STEP, si on le fait dans le laboratoire, c'est beaucoup moins efficace. Et en effet, la question est comment acquérir une séquence d'ADN avant que de phage, avant que le phage ait eu le temps de tuer la bactérie. Et il y a des études qui démontrent que probablement cette reconnaissance se fait
dans des systèmes d'infection abortive. C'est-à-dire, lorsque les bactéries sont un peu en dorming stage, quand elles sont un peu, le métabolisme n'est pas très actif et elles sont un peu en état de tolérance, slow growth, elles ne se reproduisent pas rapidement, donc c'est un peu l'état dormant. Et dans ce cas-là, l'infection ne peut pas être très très efficace. Donc ça sera à ce moment-là que le système peut intégrer l'ADN phagique avant que l'ADN ait eu le temps de se répliquer et les particules phagiques de se reproduire, etc. Autre question ? J'ai une question pour Romain, qui porte sur donc, la levure artificielle. Je voudrais savoir si on a pu mesurer les taux de mutation donc, dans les populations artificielles et de savoir s'ils étaient différents, ces taux de mutation, de ce qu'on observait naturellement. Alors non, pour l'instant, c'est des manips en cours, sans doute, mais pas à ma connaissance, ça n'a pas encore été fait de manière rigoureuse. Donc ce qui a été fait, c'est d'induire le système de recombinaison dans une souche qui porte un tout petit fragment d'ADN synthétique, donc le bras gauche du chromosome 9 ou quelque chose comme ça, qui fait de l'ordre de 150 000 paires de bases. Pardon. Et donc il y a eu un catalogue qui est sorti récemment dans Genome Research où il y a une liste de tous les variants structuraux qui ont été identifiés avec cette approche. Mais il n'y a pas eu d'analyse des mutations ponctuelles ou du polymorphisme nucléotidique. Douchko ? Également pour mon voisin. Une chose qui était assez fascinante quand on a commencé à séquencer les génomes, surtout les génomes bactériens, c'est la très grande dispersion des valeurs GC dans les génomes. Ça va de 20% d'AT jusqu'à 70%. Donc, la levure, c'est quelque chose comme 40% de mes souvenirs, mais si on fait l'abstraction des génomes mitochondriaux. Dans cette tentative de genome scrambling, qu'est-ce qui se passerait si on essaie à mettre les séquences qui même aléatoires, mais dont les GC varient beaucoup, y a-t-il une sélection? Ça questionne un peu la question de stabilité des génomes, de maintien de... Tout à fait. Donc, il y a des propriétés mécaniques, en fait, des structures riches en GC qui sont plus rigides que les régions AT. Et donc, il y a eu démonstration il y a quelques années qu'effectivement, les régions, les isocores, enfin, il n'y a pas vraiment d'isocores dans la levure, mais il y a des régions qui sont un peu enrichies en GC et qui ont l'air de se comporter de manière un peu différente des régions normales, quoi, on va dire, du génome. Donc, oui, c'est des expériences qui sont réalisables, en fait, à grande échelle. Maintenant, on peut introduire dans ces souches des régions riches en GC aléatoires, voire même les faire se propager. On peut, comme on a éliminé aussi tous les rétrotransposons, on peut faire des rétrotransposons peut-être riches en GC et les laisser envahir le génome de nouveau. C'est le genre de choses qui sont ouvertes par rapport à ce template. Jean Gaillon. Oui, André Lvov, dans ses travaux sur la lysogénie, hein, qui l'ont conduit au prix Nobel, faisait constamment référence à des souches immunisées. Il parlait d'immunité de certaines souches d'Escherichia coli. Est-ce que vous pensez que le système CRISPR était impliqué là-dedans, ou est-ce qu'on peut rien en dire? Je n'en suis pas sûre. Puisque la question qui se pose, en fait, enfin, que beaucoup de scientifiques qui travaillent sur CRISPR se posent, c'est pourquoi CRISPR a été identifié assez récemment. Et en fait, l'explication possible, en tout cas, je suis assez pour cette explication, c'est que, malheureusement, beaucoup de généticiens ont utilisé comme bactéries d'études, Escherichia coli pour les grammes négatifs et Bacillus subtilis pour les grammes positifs. Et en fait, CRISPR chez E. coli K12 a CRISPR, enfin E. coli K12 a CRISPR, mais les promoteurs
drive l'expression de, des Cas proteins et, de, et du CRISPR-RNA est downregulated par une protéine qui inhibite la transcription. Donc en fait, le système est off. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle le système n'a pas été découvert par tous les genetic screens qui ont été faits pendant beaucoup d'années. Et c'est ce qui apporte l'intérêt de travailler sur d'autres bactéries, d'espèces bactériennes, puisqu'en tout cas pour Streptococcus pyogenes, c'est non seulement travailler sur une souche qui a un système actif, mais qui a aussi une enzyme qui est très particulière et qui est particulièrement efficace. Donc ça c'est aussi donc je pense que c'est l'explication. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que dans tout ce qui est l'étude qui a impliqué Jacques Monod, François Jacob, qui d'ailleurs référait toujours à la nature est un fait du bricolage, et aussi Wolf, c'est que c'est la régulation de l'expression des gènes en opéron. C'est l'idée que l'ARN, ça a été dit dimanche, l'ARN pourrait avoir des fonctions régulatrices. Et c'est les phages lysogéniques. Et 50 ans après, c'est ce que CRISPR-Cas9 apporte en quelque sens. Je trouve ça assez intéressant. Donc l'idée aussi, parce que dimanche, ça avait été mentionné, l'idée de séquencer plus de génomes de différentes espèces bactériennes, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Oui, juste un commentaire. Non, ce à quoi faisait allusion Lvov, c'est en fait l'immunité qui est due au répresseur. Et c'est ce qui a permis sa découverte, en fait. C'est-à-dire que lorsque le phage est inséré à l'état de prophage, il synthétise néanmoins un répresseur qui fait que quand arrive un autre virus, il va être immune. Voilà. Donc ça n'est, c'est pour ça que c'est un système totalement différent. On prend une dernière question de Marc. Oui, c'est au sujet des chromosomes artificiels. Pour que ces chromosomes passent la mitose et la méiose, il leur faut un centromère. Alors est-ce que c'est possible de faire des centromères artificiels? Donc oui, dans la levure, en fait, cérévisier, c'est très facile de faire des centromères artificiels puisque ce sont des centromères ponctuels qui ne couvrent que quelques dizaines de paires de bases. Donc ça, c'est pas tellement un problème. Pour d'autres espèces, ça peut être un peu plus problématique. Mais dans cérévisier, c'est très facile, par exemple, même d'éteindre un centromère pour le remplacer par un centromère synthétique. Il suffit d'induire la transcription d'un promoteur très fort à côté du centromère qui va désactiver, on va dire, le centromère. Et là, on peut le remplacer par une séquence synthétique. Donc, cérévisier se prête bien à ça.